Je suis désolé, mais je vais devoir détruire un autre de vos souvenirs d'enfance. Chez les lions, lorsqu'un mâle rival s'oppose au chef de la troupe et gagne, la première chose qu'il fait est de tuer les petits qui ne sont pas les siens. Donc lorsque Scar ordonne aux hyènes de tuer Simba, c'est pas si loin de la réalité. Mais si on suit cette logique, pourquoi Scar n'a pas tenté de tuer Nala qui n'était pas sa fille et qui selon les règles des lions aurait dû y passer? Il se trouve qu'une scène coupée du film explique cela. Tu tombes à point nommé. Dis que tu m'adores. Laisse-moi. Dis que tu m'as... Oh, Nala. Tu sais à quel point la violence me répugne. Peu importe comment, tu seras à moi. Jamais, Scar. Jamais. Ouais, Scar était cet oncle chelou qui essayait de te faire des trucs bizarres. Et aussi, on voit jamais le père de Nala. Du coup, on suppose que c'est Mufasa. Ce qui voudrait dire que Nala et Simba sont bien plus qu'un simple couple.